Bonjour tout le monde, ici Yakipon de retour pour du Ori and the Blind Forest. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, c'est la merde parce que je m'étais trompé d'endroit. Putain de pic de merde! Et que le jeu commence à devenir très difficile, voire un petit peu relou. Non, je dis relou parce que je suis mauvais en fait. Et que je me concentre pas forcément bien. Mais sinon, le jeu est génial, c'est tout quoi. Par contre, les portes, les clés sont de l'autre côté. Mais oui. J'aurais mieux fait de regarder ma carte avant de m'aventurer quelque part. Enfin bon, on a presque complété notre arbre de compétences, qui est plutôt pas mal en soi. Hein. Enfin, je sais pas, c'est vous qui me dites ce que vous en pensez. Hein. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Merde. Donc voilà. Donc nous allons récupérer l'élément du... Enfin, la clé pour... Le temple de feu, et on a bien vu ce que le temple de feu donnait, vu que j'y suis allé par mégarde la dernière fois, pardon. Et je pense que la prochaine fois on y sera, ou on va y aller, je sais pas. Ça dépend de la difficulté d'aller chercher cette putain de clé. Non, il me manque un bout. Ça aurait été trop beau. Ouais, elle est où? Elle est là? Ah ben ça tombe bien, on va sauvegarder. Ah, mon Dieu. Ah! Ça tombe bien, comme ça, moins on perd de vie, plus j'en ai après pour la suite. Allez, hop. Deux fucking grenouilles. Elle se tire dessus, ces connes. Bon. Hop là. Oui, j'ai tout pété. Allez. La suite. Merde. La suite, c'est la sauvegarde. Oh putain, le pouvoir! Est-ce que c'est le pouvoir de pouvoir dasher à partir de tout là? Nir, voler à tire d'aile, partir à la conquête des cieux. Ouais, s'il te plaît, dis-moi que c'est ça, quoi. De toute façon, je vois pas autre chose parce qu'il y a un mur et. Il me faut tout péter donc. Tu utilises saut avec L1. Vous utilisez cette compétence appuyez longuement sur LT une fois le saut long. Oh mon Dieu, putain, oui. Oh mon Dieu. Oh, je t'aime. Je vais pouvoir compléter tout le jeu. C'est trop bien, ta mère. Y a beaucoup de boutons quand même dans le jeu. On fera attention. Je sais pas où aller. Carte. Il y a un point de compétence. D'accord. Il est où? Il est là-haut. Merci. Ah! C'est trop bien. On voit tout maintenant. Je suis omniscient. Je suis omniprésent. Je vous tuerai tous. Boum. Oh là là. C'est trop bien! Aïe. Ça, c'est le moins. Par contre, ouais, je fais comment là? Ah, il y avait une fleur là. Non, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Partie sauvegarder, régène-moi toute ma vie. Bon, ben on va continuer, tranquillou. Ok. Ça rend trop bien. Est-ce que je peux viser? Ah putain, oui. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. J'imagine qu'il faut descendre comme un fou. Ok. Not bad. En fait, j'ai passé deux lasers sans faire gaffe. Eh ben, tu sais quoi? Tant mieux. Voilà. On va pas s'emmerder. Il n'y a plus de musique. Waouh, c'est très très noir. Oh non, c'est très beau, au contraire. J'arrive en haut du monde. Oui. C'est beau. Sauvegardons.
Ouais, donne-moi la clé. La pierre solaire émet encore la lumière qu'elle craint tant. Ben oui. Allez, donne-la moi. Ouais. Bon, mais maintenant que j'ai tous les pouvoirs, va falloir que j'aille chercher tous les points d'XP et tous les... Tu as trouvé la pierre solaire. Oui, en effet, je l'ai trouvée. Ah, oh, encore de l'histoire. Oh non. J'ai pas envie de penser à ça. T'es sérieux? Ok, ça me va. Le mec, il vient de sauver mon ami. Tout va bien. Et gentil, Gumo. Leur périple inspira même le plus incertain. Ben oui, tu m'étonnes, ça c'était carrément incertain. Allez, viens, viens, vas-y, viens. Ton ami est en train de se battre pour sauver le monde. Gumo avait trouvé sa voie, son destin. Ce jeu est cool, plein de poésie, plein d'amour et d'amitié. Et de tristesse aussi. Il est juste parfait. Waouh. J'aime. La pierre solaire nous permet de sentir le mot rue. Mais sens-tu ces secousses? Oui, je sais. Je sais. Je sais qu'il faut aller là-bas. Merci. Merci de t'en soucier, bâtarde. Il y a un truc là-bas? Je sais pas, il y a un petit trou. Ok. Bon. Il me manque quoi là? Parce qu'il me manque 5%. Ben c'est là-bas. Eh ben on y va. De toute façon là maintenant, ben, il me manque tellement peu de choses que... C'est où? C'est encore plus bas. J'ai dit plus bas. Bas, pas trop bas. Allez, c'est parti. Voilà. Et c'est là-haut. Merci. Ça au prix d'oiseau. Ok. Bang. Exactement. Sinon quoi? Exactement. Ceux qui comprennent pas, qui regardent South Park. Sinon quoi? Exactement. Tu comprends pas forcément la phrase, mais c'est rigolo. Ouais, je fais comment? Ah ben. C'est vraiment OP maintenant. Ok, donc ça j'ai tout pris. 99%. Me manque un truc que j'ai pas. Ah, le petit bout là-bas. Bon allez, j'y vais juste pour le 100%. Hein. Oui, c'est par là, non? Oui. Voilà. 100%. Allez, on se casse par là-bas, c'est moins compliqué. Bon, en fait, par contre, la sauvegarde ne sera pas... ne sera pas un luxe. On va partir vers là-bas. Putain, maintenant on attaque vraiment violent quoi. Et encore, c'est pas fini. Il me manque deux points, je crois. Enfin, deux points. En tout, 5 points, il me faut.
On va redescendre par là et on va aller au donjon. Ouais. J'ai envie de faire du 100% là. Donc c'est parti. Non. Et un peu de sucre en poudre. Non! Ciao. Si par contre on peut aller sauvegarder un petit coup pour regagner tous ses points de vie, c'est pas mal. Putain. Allez, dépêche-toi. Au sens où on va faire le 100% vite fait. Ah merde, il va falloir tout remonter en fait. Je sais pas si on peut y retourner en fait dans la caverne. C'est ça aussi la grande question. C'est est-ce que je me suis fait tout baiser ou pas? Et si je me suis fait tout baiser, je vais pas aimer. Parce que j'aime pas me faire baiser. Il y en a qui aiment, mais c'est leur petit. C'est leur jardin secret, pas le mien. Olé. Un en plus. Bon, on descend vite fait. Mais... Putain. C'est fou ça. On continue la descente. Putain. Il me casse le cou. Oh non, je peux plus y retourner. Je suis condamné à ne plus pouvoir y retourner. C'est la déception. Putain non. Bon, ben tant pis. Qu'est-ce que je te dise de toute façon? Je pourrais pas finir le jeu à 100%. Lol. Et c'est le doigt. Alors là, mais c'est un doigt. Putain, je suis d'un... Là, je suis dégoûté. Moi qui aime vraiment finir les jeux à 100%, là, c'est le dégoût total. C'est pas grave, je referai. Je le referai, et vu que je sais maintenant à quoi m'attendre. Ah putain, je suis deg, putain. Ah ouais. Je fais partie des gens qui aiment finir un jeu à 100%. Ouais. Et alors quand je sais que je ne peux pas, généralement, je quitte le jeu, je le recommence direct. Mais là, de toute façon, je l'ai fini, maintenant je vais pas le recommencer. 3 points, waouh. C'est le dégoût, hein. C'est le dégoût. J'en ai marre. Je suis dégoûté, quoi. Putain. Saloperie. Il y a un point de compétence, on va aller le chercher. Je suis dégoûté. Je pense que ça s'entend, non? Ça se voit aussi, il y a tout le monde qui crève. Pour le bien de la communauté. Punaise, mais je suis énervé. Oh là là. J'aime finir les jeux à 100%. Regardez, quand j'ai fait South Park, une semaine après, enfin même pas quelques heures après, j'avais déjà fini l'autre quoi. Enfin, je l'ai recommencé avec un juif et j'ai fini le jeu. Tout simplement. Parce que je voulais tout faire à 100%. Ah putain, ce dégoût, ta race maudite. Je vais pleurer. Mais casse-toi, toi là! Putain, on lui a rien demandé, le mec il vient comme ça, il dit même pas bonjour ni au revoir, il s'en va sans laisser d'adresse. Oui, j'ai pété un plomb. Mais genre un gros. Bon, ben maintenant on n'a plus qu'à aller là-bas de toute façon. Parce qu'on n'a que ça à faire.
Ah. De toute façon, si je rate d'autres zones, ben, c'est pas que je m'en fous, mais grave, quoi, vu que je peux pas retourner voir le donjon. Putain. Je suis trop énervé. Il faut que je me calme. Punaise. Où c'est que je peux aller? Là? Sur notre chemin? Non, mais j'y vais. Ah putain! C'est la rage. Là, c'est la rage dans le potage. C'est n'importe quoi. Je suis tellement vénère. C'est à cause de l'autre autiste qui a voulu ressusciter mon pote. Putain, je m'étais fait l'idée qu'il revivrait pas, quoi. Si c'était garder les doigts dans son cul, on n'en serait pas là. Putain. J'ai un truc à faire par là. Tu m'aides à monter, s'il te plaît? Tu m'aides à monter, s'il te plaît! Mais casse-toi, toi aussi. Je t'ai rien demandé. J'ai plus rien demandé à personne. À part que vous creviez tous. Tellement énervé. C'est vraiment rare que je sois aussi énervé. J'ai menti. C'est très fréquent. Je suis jamais allé là, tiens. Étonnant. Là, il n'y a rien, donc tant mieux, ça m'évite de rien un point de vie là. J'y vais. Ah putain, je suis tellement énervé, tellement de sel. On va faire ça parce que... Ici, bizarrement, j'en ai pas confiance. Toujours tout droit. Ah putain. Hop là. Au moins j'aurai tous les bonus. Faut que je me satisfasse avec ça. Oui, satisfait, c'est parce que je suis énervé. Ça me fait rire, quoi, d'être énervé en plus. Allez, on remonte par là. Merde. Ah, punaise. Eh ben, vous savez quoi? Ça sera qu'au prochain épisode qu'on ira au truc du feu. Voilà. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Puis... Tant qu'à faire, hein, autant faire le reste de la carte. Hein. Par là-bas. Merde. C'est pas du tout par là que je voulais aller. Casse-toi. Oui, c'est par là-bas. Merde. Pas dans les ronces. Toi, tu seras rien. Putain, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé vers là. Ah, du vent. Ah, c'est trop cool. Merci. Un point de mana, la sauvegarde. Bon, le jeu m'aide. C'est pas trop mal, mais bon, je suis quand même très énervé. Il y a un truc d'XP là-bas. I don't wanna go to school, I just want to break the rules and the game aussi parce qu'il m'a trollé. Je vais aller vers là-bas en fait. Hop là.
Mec, t'es con comme un manche à balai, je te déteste. Voilà. Ça pour ça. Et j'ai fini la zone, ouais, voilà. Elle est là, 100% elle. Putain. Ah, ça m'énerve. Il y en a, c'est toutes celles qui portent la frange à la Katmos qui les énerve, moi c'est ça. Ah putain. Maintenant, on remonte par où là? Oh putain, je dois faire. Attends, what? Mais je suis où là? C'est là-bas le feu, ouais. Donc on va remonter par là. En plus, il y a un petit bout de carte qui n'a pas été débloqué, donc. Ouh là, l'eau et tout ça, ça fait bugger. Toi, ça sera juste pour plaisir que je te tue, tu vois. C'était pas prévu, mais t'as demandé ta part, alors écoute. Putain. Ouais, faut passer au-dessus, en fait. Oh, merde. Où je vais? Pas là où il faut, apparemment. Bref. Oh non, pas ça. Ah là là. Oui, je sais plus trop quoi dire en fait, moi je me suis fait avoir. Je sais, c'est enfantin tout ça, mais. Mais. Je sais pas. J'ai toujours aimé finir le jeu à 100%, quoi. J'en ai encore plein à faire à 100%, je sais, mais. Tout ça pour ça. J'aurais pu le trouver bien avant. Surtout que j'ai des trucs qui voient les passages secrets maintenant. Enfin bon, c'est pas. J'ai perdu une minute. Bon, je sais qu'il est un peu tard, mais. Je nous amène devant le truc de feu et j'arrête là. J'essaie de me dépêcher. D'arrêter de rager un peu et de me concentrer sur mon objectif. Ok, on fait ça. Ah, mon dieu. Monter, oui, c'est par là-bas. En plus, on peut grimper et tout, mais non, non, non. Tu vas me dire, c'est plutôt facile. Il y a du vent. On peut progresser vraiment beaucoup plus facilement, donc. Faut pas trop que je me plaigne, mais bon, si. Si je continue à me plaindre, le 100% c'est trop la vie. Regardez, par exemple, dans le temple de l'eau, je peux pas y rentrer parce qu'il est full of eau. Mais dans le truc des vents, s'il faut, il n'y a pas que du vent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, maintenant il y a un gros caillou. Bon, ben j'ai intérêt à faire le truc du feu à fond avant de lancer quoi que ce soit. Je le saurai. Au moins, j'aurai qu'une zone en fait qui n'est pas à 100%. Et pas 18. Ça me fout les nerfs. Ça me fout les nerfs, genre vraiment violent quoi. Tellement énervé. Bon. On y est presque. La partie sauvegardée, toi. Voilà, merci. Je me casse. Ah merde. On va de suite au donjon. Putain. Voilà, on y est. L'obscurité et les menaces en ces lieux maudits. Ouais, je sais. Au port du mont Rune, nul doute n'était permis. Et voilà, on se quitte avec ces deux belles rimes. Et ma rage!
J'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, le site, il va sans studio. Voilà. Allez, gros bisous. Bonne journée à vous. Ciao.